Aujourd'hui, nous sommes en direct du Football Palace. Bonjour à tous les mordus de foot, ici Cyril Linette. Comme d'habitude, notre spécialiste est Rémi Gard. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui, Rémi. Bonjour. Nous y voilà, c'est l'heure du coup d'envoi. Il tire. En plein milieu. Ce sera un corner. Voilà une occasion. D'avant en arrière. Ballon redressé. Tire. Un corner. Voilà une occasion. Il tire. Il est passé. Interception cruciale. Quel toucher de balle. Il tire. On s'est bien vu, ça va à contre-courant du jeu. Il l'expédie en plein milieu. C'est une faute. Les joueurs qui forment le mur essaient de s'organiser. Joli dribble. Oh, il l'a littéralement volé. Dans le paquet. Sa tête. Ça rentre vers le but, en plein dans les mains du gardien. Ce coup de sifflet signale la fin de la première mi-temps. Et maintenant, c'est le coup d'envoi de la seconde période. S'en saisir. C'est rentré, un jeu incroyable. Il marque le premier but de la deuxième mi-temps. Revoyons les images au ralenti. Il arrive et il tire. Même dans une position difficile, il réussit à placer ce tir imparable.
Il a anticipé la passe. Attention au contre. Joli dribble. Oh, un beau tacle défensif. Un joueur s'échauffe, il devrait y avoir un remplacement. Et il marque. C'est tête qui pousse tout cela. Il s'aggrave la marque. Revoyons les images au ralenti. Il a rimé le tir. Il tente vite une tête. C'est une faute. Carton jaune. C'était un peu tard. Il doit faire plus attention dorénavant. Le gardien donne des consignes. Et il ne reste que 10 minutes de jeu. Il est parti trop tôt. Tir. Il a dévissé. L'arbitre siffle. La faute est évidente ici. Ils ont réussi à remporter un match passionnant. Alors Rémi, que pensez-vous de ce match ? C'était un grand match où rien n'était joué d'avance. Bien, merci pour votre analyse Rémi. Nous devons rendre l'antenne, ici Cyril Linette. L'analyse du match d'aujourd'hui vous a été offerte par Rémi Garde. Merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup Cyril. Chers fans de foot, à bientôt.